Donc je propose, sans plus tarder, nous sommes déjà un peu en retard, toutes mes excuses, de commencer donc ce débat sur Julian Assange. Donc je suis Grégoire Lalieu, rédacteur en chef du média indépendant Investigation, et je vais avoir le plaisir d'animer ce débat en compagnie de Karen Sharp, d'Anthony Bélanger et de Luc Castro. Donc Karen est journaliste, écrivaine, professeure universitaire d'anglais, mais vit à Paris depuis plus de 20 ans, ce qui fait que son français est très bon, bien meilleur que mon anglais d'ailleurs. Et elle a notamment écrit ce livre qui s'appelle « Julian Assange parle », qui est en fait un recueil de citations, d'extraits, de propos tenus par Julian Assange lui-même, et qui propose ainsi de découvrir le fondateur de WikiLeaks à travers ses propres mots. C'est un travail très intéressant. Anthony Bélanger, journaliste, chroniqueur et présentateur... Alors, je me suis trompé. Secrétaire de la Fédération internationale des journalistes, mais pas journaliste à la base ? Si. Ah oui, ok, quand même, ça va. J'ai un homonyme, c'est pour ça. Voilà. Je suis journaliste, mais secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes. Et journaliste dans quel média, alors ? En tant qu'indépendant, je travaille pour le monde diplomatique essentiellement, ouais. Mais mon boulot principal, c'est la Fédération internationale des journalistes. Oui, d'accord. Donc, plutôt presse écrite à la base. Oui, ok, très bien. Donc, secrétaire général de la FIJ, hein, c'est ce qui nous vaut votre présence ici, parce que la FIJ a notamment lancé une grande campagne pour demander la libération de Julian Assange. Et enfin, Luc Castro, qui est membre du PEN Belgique, qui est un réseau international qui promeut la littérature et avec elle la libre circulation des hommes et des idées. Ce qui peut nous faire dire d'ailleurs que le PEN défend la libre circulation des hommes. Et donc, ce réseau... Plus ou moins, vos... PEN a été créé il y a une centaine d'années par des écrivains, pour des Parlez écrivains, bien dans le micro, ouais. Et pour défendre notamment la liberté d'expression de par l'écrit. C'est ça. Et donc, évidemment, le réseau est aussi engagé dans la défense de Julian Assange. Absolument. Julian Assange est un journaliste. Nous suivons 109 écrivains, journalistes actuellement emprisonnés. Et parmi ces 109, nous avons effectivement Julian Assange. Très bien. Donc voilà, les présentations sont faites. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet sans plus tarder. Et on va rebondir tout d'abord sur l'actualité. Julian Assange a de nouveau fait parler de lui ces dernières semaines. Car si vous suivez un peu les informations, vous avez vu qu'il y a eu de nouveau une audience à la haute cour britannique pour savoir si la défense de Julian Assange pourrait introduire un recours. Alors Karen, est-ce que tu peux un peu nous expliquer finalement où en est ce dossier Assange, parce que ça traîne depuis tellement longtemps qu'on ne sait plus très bien parfois ce qu'il en est. Je fais un tout petit dans le micro. Résumé. Qui donne du contexte parce que cette dernière audience a été précédée par plusieurs, quatre autres. Et donc le premier était devant un cours du magistrat. Et je dois dire que toutes les audiences, les procès ont été plein d'illégalités, rien à voir avec la justice. Dans janvier 21, devant le magistrat qui parlait souvent aux avocats américains qui étaient dans la cour pour être sûr qu'elle suivait leur vœu. Et donc, elle a finalement décidé que 18 points que les États-Unis ont voulu, elle était d'accord avec. C'était l'obtention, réception, divulgation d'informations classifiées. Et c'est sous la loi de 1917, de la loi espionnage. Et cette loi a été faite pendant la guerre. Elle a dit non à l'extradition, ce que voulaient absolument les Américains, parce que Julian risquerait de se suicider s'il était dans un supermax prison. Et donc, ce n'était pas une bataille gagnée, parce qu'il est rendu en prison de haute sécurité, Belmarsh à Londres,
Et c'est connu comme le Guantanamo anglais. Donc, ça vous donne une idée des conditions là-bas. Le principal témoin contre Julian s'appelle Siggy Thordarson. Et c'est un sociopathe. Il a été coupable de fraude et crime contre les mineurs. Et un peu de temps après, il revenait sur son témoin en disant que les Américains avaient voulu faire un deal avec lui. Donc après ça, la haute cour en décembre 21 a annulé le refus d'extradition en acceptant les garanties que Julian serait bien traité dans la prison de Supermax aux États-Unis, que même un ancien directeur l'avait dit que c'était pire que la mort. Et en plus, ces garanties, comme a dit Amnesty International, ne vaut pas les papiers sur lesquels ils sont écrits, parce que souvent déjà les Américains reviennent sur leurs paroles. Et ils ont même dit que oui, peut-être quand il sera extradé, on peut changer et il sera mis sous la peine de mort. C'est grave, ça. Donc les avocats de Julian ont fait appel, ça a été refusé. Et le 20 et 21 février, les avocats de Julian ont fait appel sur 9 points de la haute cour, et ça a été reporté. Et il y a un peu plus d'une semaine, les deux juges ont donné leur décision, et c'est que les États-Unis doivent donner 3 garanties, et un sur que Julian sera sous le premier amendement, liberté d'expression, qu'il n'y aura pas de préjudice par nationalité, parce que c'est dit que le premier amendement ne s'applique pas aux étrangers, et c'est compliqué si c'est vrai ou pas. Et aussi, les Américains doivent donner les garanties que Julian ne sera pas soumis à la peine de mort. Les juges ont exclu de leur décision et ont dénié les 6 autres points qui étaient beaucoup, beaucoup plus significatifs. Et c'est que Julian n'a pas pu présenter des nouveaux éléments, c'est-à-dire que quand il était dans l'ambassade d'Équateur où il a été accordé asile, les CIA a organisé la surveillance sur lui 24 heures sur 24. C'est-à-dire, même ses rendez-vous avec ses avocats, avec ses médecins, ont été filmés là-bas et transmis à la CIA. Et le pire, c'est que la CIA avait comploté avec les Anglais de assassiner, kidnapper Julian pendant qu'il était dans l'ambassade. Donc, si les États-Unis ne donnent pas ces fameuses 3 garanties, Julian peut faire appel. La prochaine audience sera le 20 mai. S'il donne des assurances, le 14 mai, les deux parties peuvent déclarer leurs arguments à nouveau et l'audience se poursuivra le 20 mai. Si les juges acceptent le 20 mai ou un peu après les garanties, l'appel sera refusé et puis c'est l'extradition. D'accord, donc la date du 20 mai sera décisive, si je comprends bien.
C'est possible. Moi, j'ai toujours pensé qu'ils vont le reporter jusqu'après les élections aux États-Unis et parce que Biden ne voudrait pas que un journaliste soit amené aux États-Unis en chaîne. Et donc, suivent les désirs des Américains, je pense. Très bien. Alors bon, on voit, hein, on connaît tous un peu les conditions de détention de Julian Assange. On sait aussi ce qui a précédé durant la période à l'ambassade d'Équateur. On peut parler d'acharnement contre un journaliste. Mais qu'est-ce qui explique justement un tel acharnement, Tony Bélanger? La question de fond est Karen, et d'ailleurs vous êtes chanceux ce soir d'avoir Karen devant vous. Elle a posé la question à la fin de son intervention, c'est-à-dire sur la question du journaliste. Tout le débat est là-dessus, notamment aux États-Unis. On essaie de discréditer Julian Assange, on essaie de faire de lui au mieux un lanceur d'alerte. Hein, je rappelle que ce n'est pas la même chose, un lanceur d'alerte et un journaliste ne sont vraiment pas la même chose. L'un et l'autre ont deux missions différentes et l'un et l'autre ont respectivement des droits et des protections. Et toute la question, et qui est débattue notamment aux États-Unis, c'est de faire d'Assange une sorte de lanceur d'alerte qui fait un peu n'importe quoi, qui a fait n'importe quoi lorsqu'il était à la tête de WikiLeaks. Même Le Monde, lors d'un dernier papier du Monde, pourtant Assange a... En tout cas, les informations d'Assange ont été abondamment utilisées par le journal Le Monde, mais pas que lui. Hein. Même Le Monde décrit Assange comme un lanceur d'alerte. Donc on essaie de minimiser, en fait, ce qu'il est, ce qu'il a fait, et les informations d'intérêt général ou d'intérêt public. Hein. Ce ne sont pas deux notions qui sont identiques non plus. Hein. L'intérêt général est beaucoup plus large, et il y a l'intérêt du public de connaître les informations qu'il a publiées à un moment donné, et notamment à travers WikiLeaks, sur les crimes de guerre de l'armée américaine en Afghanistan et en Irak. Donc, votre question, je l'ai oubliée, mais c'est... Qu'est-ce qui explique un tel acharnement? Ah oui, alors... Un tel acharnement, c'est qu'à partir du moment où vous avez un journaliste, et en l'occurrence, nous on le considère comme journaliste, c'est pour ça que je voulais en arriver là d'ailleurs, parce qu'il est membre de la Fédération internationale des journalistes, hein, que j'ai l'honneur de diriger, basée à Bruxelles, qui représente plus de 600 000 journalistes dans le monde. Il a notre carte de presse internationale, il est membre de notre syndicat australien. Et l'acharnement, il est clairement contre les journalistes d'investigation. À partir du moment où vous rendez public une information d'intérêt général qui peut faire condamner un État ou des présidents devant une Cour pénale internationale pour crime de guerre, il est clair que cette personne-là est l'ennemi public numéro un. Et que ce soit l'administration Obama, puis Trump, qui a bien aggravé la situation, et aujourd'hui Biden... Aux États-Unis, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Malheureusement, on a rencontré, et notre présidente Dominique Pradallier a rencontré à deux reprises Julian en prison. Et moi, la crainte que j'ai, et de façon générale la Fédération internationale, c'est son état de santé. Karen rappelait les procédures judiciaires qu'on lui colle sur le dos depuis des années. Je rappelle qu'il n'y a aucune accusation réelle contre lui aujourd'hui. C'est quand même une première. Aucune accusation. On a quelqu'un qui est en prison, qui n'est officiellement accusé de rien, et qui risque 175 ans de prison en cas d'extradition. Donc le drame, il est bien sûr, il est pour toute une profession. Et là, j'y reviendrai peut-être après si vous voulez bien, mais il est d'abord humain. C'est quelqu'un qui n'a aucune accusation contre lui, et qui est pourtant à l'isolement total dans cette sorte de Guantanamo anglais sur le territoire européen, même si les Britanniques, on le sait tous, ont quitté l'Union, mais ça reste quand même le territoire européen du Grand Conseil de l'Europe, hein, c'est-à-dire que les Britanniques sont toujours soumis au Conseil, à la Cour européenne des droits de l'homme
à Strasbourg. Donc c'est une attaque contre la profession, puisque demain, si Julian Assange est condamné, on le dit souvent, n'importe quel journaliste qui n'est pas de nationalité belge, qui ne travaille pas sur le territoire européen, peut être condamné avec cette jurisprudence Assange, puisque Assange n'est ni européen ni américain. Pourtant, il est dans une prison européenne. Il n'est pas, il n'a pas d'acte d'accusation contre lui et potentiellement, il risque 175 ans de prison aux États-Unis en étant australien. Donc, vous voyez un petit peu le cheminement. Cette jurisprudence Assange, si elle s'appliquait, elle pourrait tout simplement mettre en péril, tout simplement, la situation des journalistes d'investigation. Tous les journalistes qui font partie des consortiums internationaux dans lesquels sont certains médias belges, bien sûr, mais qui sont autour de Mediapart, du Guardian, du New York Times, pourraient demain être condamnés et emprisonnés sans avoir une réelle accusation sur le dos. Voilà. Merci. Luc Castro, d'accord avec ça, Julian Assange, en tant que journaliste, était devenu l'ennemi public numéro un, ce qui explique un peu la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Il n'y a quand même pas beaucoup de journalistes qui vivent une telle situation à ce point-là, quoi. Pardon. À ce point-là, ça reste à voir. Il y a dans le monde des journalistes qui subissent actuellement un sort équivalent à celui de Julian Assange, oui. Oui, je vais préciser. Effectivement, dans certains régimes autoritaires, mais dans nos démocraties, entre guillemets, dans le monde occidental, on n'a pas l'habitude de voir des journalistes en prison et poursuivis pour avoir divulgué des informations. Donc ici, en Occident en tout cas, c'est assez rare. Et comme Anthony Bélanger venait de le rappeler, en plus, bon, on est dans une espèce de loi extraterritoriale et finalement, il est en prison depuis un certain temps. Pour le moment, il est accusé toujours de rien du tout, quoi. Donc c'est dans ce sens-là qu'on pouvait parler d'acharnement envers l'ennemi public numéro un. Oui, il y a de la part des États-Unis un acharnement qu'on retrouve effectivement dans certains pays autocratiques ou antidémocratiques. Ça, c'est très clair. Et plusieurs journalistes sont actuellement emprisonnés suivant un acharnement et un processus qui est très proche. Donc. Oui, madame dit oui, ça se passe en Europe, c'est ce qui est choquant dans cette affaire finalement. Parce que oui, on peut imaginer évidemment que dans certaines dictatures autoritaires où on ne supporte pas de voix dissonante, où il n'y a même pas de médias, d'une pluralité d'informations, etc., malheureusement, des journalistes sont torturés, des journalistes sont assassinés, des journalistes sont en prison. Ça, on le sait, mais on a moins l'habitude de voir ce genre de choses évidemment en Europe, en Occident, quoi. Oui, et on peut rajouter aussi que. Les États-Unis, il s'agit d'un pays qui bénéficie au niveau de la liberté d'expression. C'est un des pays les plus avancés. D'après la Constitution, oui, oui. Donc, effectivement, le cas Julian Assange, c'est quand même quelque chose de très particulier, mais dont nous devons... tous, c'est toute la société occidentale, nous devons tous nous soucier. En fait, Julian Assange, je reprends ici, cet acharnement va jusqu'à utiliser, on en parlait tout à l'heure, des lois qui ont été conçues il y a plus de 100 ans sur l'espionnage, qui n'ont absolument rien à voir avec son cas. Qui plus est, au niveau des lanceurs d'alerte, l'Europe a considérablement avancé au niveau législatif. Et donc, on est effectivement dans une situation qui est tout à fait hors norme. Mais dont nous devons nous soucier, parce que c'est nous tous, je vous en prie. Oui, si vous permettez, on va faire quelques questions-réponses dans le public, mais à la fin de la présentation, alors. Hein, vous pourrez réagir à ce moment-là. Ça va ?
Karen, selon vous, donc qu'est-ce qui explique un peu cet acharnement contre Julian Assange? Qu'est-ce qu'il a fait que d'autres n'ont pas fait qui lui valent ce traitement de faveur, entre guillemets? Oui, je veux revenir un peu en arrière. Il est le fondateur de Wikileaks en 2006 et il a inventé une méthode révolutionnaire qui a permis aux lanceurs d'alerte d'envoyer des révélations et qu'ils peuvent le faire avec toute anonymité et sécurité. Ça n'existait avant. Et il a reçu énormément de révélations de partout au monde. Et donc, Wikileaks a publié 10 millions de documents. Et rien n'a jamais été découvert d'être fausse. Et il n'y a aucun journal ou média qui peuvent déclarer ça. Et donc, il pratiquait ce qu'il appelait le journalisme scientifique. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'informations et toutes qu'est-ce que j'allais dire? Vous donnez toutes d'où viennent ces informations, les plus informations que possible pour pouvoir examiner si la conclusion suit les données et qu'on peut vérifier et qu'on peut agir. Et c'était très important pour Julian qu'après que les gens apprennent les choses, qu'ils agissent pour rectifier ce qui n'allait pas. Il a fait plus que quelconque quiconque pour découvrir et révéler comment fonctionnent réellement les gouvernements, les politiciens, les entreprises, l'armée, la presse. Et donc, il appelle les 10 millions de documents de Wikileaks, c'est comme la librairie rebelle d'Alexandrie. Et donc, ces révélations ont, par exemple, mis fin à la torture à Guantanamo, c'est très important, renverser des gouvernements corrompus, par exemple, en Égypte, mettre fin à des guerres, notamment, comme a parlé Anthony, en Irak, avec l'aide de la très troublante vidéo collateral murders, meurtre collatéral. Et en fait, aujourd'hui, c'est la 14e anniversaire de la diffusion de cette vidéo qui a choqué le monde en montrant la barbarie absolue des Américains. Et donc, c'est pas surprenant que Julian est très dangereux et les Américains, les Anglais, les gouvernements qui ont dont leur crime ont été révélés veut qu'il s'éteigne et c'est très efficace, une prison où il est pour le faire taire. Oui, peut-être justement alors rappeler, hein, j'avais vu que tu avais préparé cette citation, de comprendre pourquoi Julian Assange est si dangereux, qu'est-ce qui explique cet acharnement. Ben, c'est lui-même qui dit qui suis-je, finalement il répond à cette question-là dans... Oui, avec mon accent horrible. Qui suis-je? Je me suis battu pour la liberté et j'ai été privé de toute liberté. Je me suis battu pour la liberté d'expression et on m'a refusé toute expression. Je me suis battu pour la liberté et je suis devenu l'objet de 1000 mensonges, comme a dit Anthony. Voilà, une déclaration de Julian Assange qui représente finalement assez bien son cas.
Donc on voit que la prochaine échéance judiciaire au 20 mai, mais on ne sait pas encore très bien ce qui en ressortira. Karen Sharp expliquait que du côté des États-Unis, on essaye peut-être de faire traîner un peu, en tout cas pour Biden, les élections. On sait qu'en attendant, il vit dans des conditions extrêmement difficiles. Il y a eu aussi notamment l'ancien rapporteur de l'ONU sur la torture qui s'est penché sur son cas, qui a vraiment tiré la sonnette d'alarme. Certains disent qu'on le fait peut-être mourir à petit feu. Je me retourne vers vous, Luc Castro. Quelle issue pour le fondateur de... Je peux juste expliquer sa situation en prison. Oui, ouais, très brièvement, alors, pour donner la parole oui. à tout le monde. À Bermarsh, il est dans une prison de 2 mètres par 3 mètres. Le budget pour les repas pour toute une journée, pour chaque prisonnier, c'est, je ne me rappelle plus si c'est 2 dollars ou 2 livres, qui n'est rien. C'est horrible ce qu'il mange. Il est dans ce donjon 23 heures sur 24. Il n'a pas vu la lumière de jour depuis, je crois, 12 ans. Et qu'est-ce que j'allais dire? Juste une chose mignonne, je trouve. Il s'est débarrassé de son lit parce qu'il a voulu beaucoup, beaucoup de livres. Je ne me rappelle plus combien de livres il a dans sa cellule, mais il a expliqué pourquoi il les a voulus au lieu de lit. Il a dit « parce que ce sont mes amis ». Ouais. Donc on voit que les conditions sont vraiment horribles pour la santé. Luc Castro, quelle issue possible pour Julian Assange? Est-ce qu'on peut garder l'espoir de le faire libérer, comme le réseau du PEN essaye de le faire? Nous ne savons naturellement pas. Sinon, je crois que nous ne serions pas ici. Mais la seule chose que nous puissions faire, c'est faire le maximum pour alerter, pour continuer à agir de sorte que... puisse y avoir une issue plus favorable. Mais pour la... personne ne sait. On sait qu'il y a beaucoup d'associations qui sont mobilisées justement pour, oui. pour sa libération. Oui. Est-ce que aussi nous, simples citoyens, avons un rôle à jouer pour ça? Est-ce que c'est l'affaire de tous finalement? Oui, c'est l'affaire de tous. C'est la liberté d'expression, c'est enfin, nous avons tous intérêt naturellement à être informé, et c'est la qualité d'information, la quantité d'information, tout ça nous concerne naturellement tous, et surtout dans nos pays démocratiques. Donc de notre côté, nous organisons, et c'est une coïncidence, nous organisons un événement majeur en sa faveur. Le jeudi 11 avril, à la place Flaget, dans l'auditorium ULB qui se trouve face à l'église, et ça se passera de 16h à 19h. C'est un événement majeur parce que nous avons interrogé des deux côtés du pays tous les politiques. Et la presque totalité des présidents de partis et autres seront présents. Ils devront s'exprimer sur le sort de Julian Assange. Alors, l'événement, en fait, nous rappelle cette triste histoire. En fait, le 11 avril n'est pas une date qui a été... Ce n'est pas une date par hasard. Ce sont les 5 ans. Il y aura précisément 5 ans que Julian Assange aura été emprisonné à Belchmark, qui se trouve en fait à Greenwich, près de Londres. Et donc, pour ces 5 années, nous organisons 5 heures d'événements en faveur de Julian Assange. Ça se passera de 16h à 19h. L'entrée est ouverte à tous. On n'est pas obligé d'assister aux 5 heures. Et tout cela se fera sous un fond de lecture de parmi les écrivains les plus connus du côté francophone et du côté néerlandophone, plus des écrivains
qui s'exprimeront dans 18 langues différentes. Donc il y aura même du vietnamien, etc. Donc venez en soutien de cela. On ne sait pas ce que ça peut donner, mais au moins ça. Et je pense aussi que du fond de sa prison, que Julian Assange apprenne que l'on se soucie de son sort, ça devrait lui faire du bien aussi. On l'espère. Anthony Bélanger, je me retourne vers vous. Par rapport à la mobilisation pour faire libérer Julian Assange, bon, est-ce que chacun peut jouer un rôle? Et est-ce que le soutien, vous constatez, vous, est assez important, ou bien est-ce qu'on sent encore des timidités, que ce soit dans certains médias ou dans certains milieux politiques? Oui. C'est très bien que tous les politiques de toutes les régions et toutes les provinces du pays se rendent le 11 avril à votre événement, et bravo pour ça. Sauf que la plupart des politiques, qu'ils soient ici ou ailleurs, ont été en dessous de tout. Ont été en dessous de tout depuis le départ. Vous avez des activistes ici que je croise régulièrement. Free Assange Belgium, Belgium for Assange, qui m'invite régulièrement, et d'ailleurs on a quelque chose la semaine prochaine avec Marie-France ici devant le siège de la Fédération internationale à Bruxelles pour célébrer, si on peut dire, mais en tout cas pour se souvenir de ce funeste 11 avril. Mais tous les politiques ont été en dessous de tout. Quand on les a interrogés, juste par, que ce soit à Bruxelles, les chefs de gouvernement, qu'ils soient belges ou français, président de la République, François Hollande, je sais qu'il est là dimanche, on pourra peut-être le rappeler d'ailleurs, ils n'ont jamais répondu à la demande de faire en sorte que Assange devienne un citoyen d'honneur ou de lui accorder un asile. Mais ça, c'est pas maintenant qu'il faut le faire. C'était il y a avant, à la période où il était, avant 2019, quand il était dans l'ambassade d'Équateur. C'est à ce moment-là qu'il y avait un moyen juridique de le récupérer. Certes, au mois de février, le Premier ministre australien, puisque je rappelle, il est citoyen australien, Anthony Albanese, a fait des pieds et des mains quelques jours avant l'audience du mois de février pour qu'il soit libéré, mais c'est trop tard. Il est trop tard. Alors heureusement qu'il y a des citoyens qui se bougent. Moi je suis le premier critique par rapport aux médias, je représente les journalistes, je représente pas les médias, je représente les journalistes, c'est quand même différent. C'est-à-dire les travailleurs des médias, les journalistes, ils travaillent réellement dans les rédactions. Les médias en règle générale ont été soit mauvais, soit inexistants. Il y en a eu quelques-uns, bien entendu, et il y en a toujours quelques-uns qui font un bon travail, qui régulièrement, le monde diplomatique en février a fait une dernière page ou une double page, je ne sais plus, qui était excellente. C'était une dernière page, c'était son quotidien dans la prison. Mediapart régulièrement, et Edoui Plenel était venu il y a quelques années ici. On était intervenus d'ailleurs ensemble pour rappeler l'importance du message, de la mission qui est celle de Wikileaks, mais qui est aussi celle de Julian Assange. Donc, grosso modo, vous avez 95% des médias qui sont en dessous de tout, 95% des politiques qui sont en dessous de tout. Alors, là, ils sont en campagne électorale, donc il est clair que là, ça va les intéresser de venir, que ce soit au niveau européen ou au niveau belge. Et il faut les interroger là-dessus. Vous pouvez demander aux collectifs qui sont ici. On leur a envoyé des courriers, on a eu des rendez-vous même à la commune de Bruxelles. Rien, mais rien. Et c'est ça le scandale. Et moi, ça me met en colère parce que sans la mobilisation citoyenne actuelle, Assange, il serait complètement oublié. Et une fois de plus, je le dis en étant à la tête d'une fédération internationale de journalistes. Bien sûr qu'on est là, nous on est là, mais on fait juste notre boulot. On a à peu près 400 journalistes qui sont en tôle aujourd'hui dans le monde. 400. Il y en a deux sur le territoire européen, un au Royaume-Uni donc, et un autre en Pologne. On en parle assez peu. Pablo. Et 130 tués en Gaza. Ah, alors la Gaza, on pourra en parler pendant des heures. J'étais en Palestine il n'y a pas longtemps, donc on pourra en parler. C'est un autre sujet qui me tient beaucoup à cœur. Ouais. Mais un en Pologne, Pablo González. On a deux sur le territoire de l'Union européenne, enfin, le territoire de l'Europe. Mais il y en a en Azerbaïdjan, il y en a en Biélorussie. Mais la question principale est vraiment la mobilisation. Sans cette mobilisation qui est venue du peuple, je dirais, des citoyens, il n'y aurait rien eu.
Parce que les médias, les grands médias en général, ont bien utilisé les sources d'Assange quand il en donnait, quand il était rédacteur en chef de Wikileaks. Et quand il a fallu le défendre, ils ont tourné les talons et il ne s'est plus rien passé. Et la conséquence, elle est aussi là. Alors certes, c'est bien, et bravo pour vous, à Investigation d'avoir organisé cette conférence aujourd'hui, d'avoir invité Karen, mais malheureusement, il est trop tard. Sa santé est déclinante, et Stella Assange, qu'on a encore eu récemment, est complètement déprimée avec ses deux petits gamins. Je ne parle même pas de son père. Donc moi, je suis hyper pessimiste et hyper en colère. Voilà. Alors, Anthony Bélanger a parlé tout à l'heure un peu des enjeux pour le métier de journaliste, finalement, parce que ça ne concerne pas uniquement le cas personnel de Julian Assange, ça a des répercussions bien plus vastes. Ça a aussi des répercussions, finalement, pour notre démocratie, parce qu'on voit comment on traite quelqu'un qui a gratté, comme personne d'autre, comme tu l'as dit, les secrets des puissants, dans des pays où on vante la liberté d'expression, la liberté de la presse, etc. Finalement, Karen, qu'est-ce que ça dit aussi, cette histoire de l'état de nos démocraties? Je veux juste revenir sur quelque chose que Julian a dit, qu'il y a plusieurs dangers s'il est extradé, parce qu'il y a plusieurs messages. Et un dont parle Julian, c'est l'autocensure. Il dit, les journalistes reçoivent rarement l'instruction suivante. N'imprimez rien à ce sujet ou ne publiez pas cette information. Ils savent ce qu'on attend d'eux parce qu'ils comprennent les intérêts de ceux qui cherchent à complaire ou à rapprocher. Si vous vous comportez bien, vous serez félicité et récompensé. Et si vous ne vous comportez pas bien, vous ne le serez pas. C'est aussi simple que ça. Et il aussi parle des médias comme des propagandistes, c'est le mot, des gouvernements. Donc, ce n'est pas surprenant que le journalisme est dans l'état qu'il est aujourd'hui. Et je voudrais aussi ajouter une autre chose, c'est bien suggéré que les citoyens de chaque pays contactent leurs représentants, leurs parlementaires pour expliquer qui est vraiment Julian. Maintenant, j'espère que vous avez une petite idée de l'importance de cette personne et que vous pourriez être ambassadeur pour parler de l'importance de Julian. Et quelle était ta question? L'impact que ça représente finalement cette histoire pour la démocratie de manière générale dans nos pays. Est-ce qu'il existe la démocratie dans nos pays? C'est la preuve que non. C'est ma question. Oui. Oui, selon toi. Oui, oui. C'est, et ça se dégrade de plus en plus. Oui. Je voudrais juste, si je peux, oui, oui, oui. C'est une autre citation de Julian. Les gens demandent souvent « Que puis-je faire ?» Ça a lien avec ce qu'on discute. La réponse n'est pas si difficile. Apprenez comment le monde fonctionne. Contestez les déclarations, les actions et les objectifs de ceux qui cherchent à nous contrôler derrière les façades de la démocratie et de la monarchie. Unissez-vous dans un but et un principe commun pour concevoir, construire, documenter, financer et défendre. Apprenez, contestez, agissez maintenant. Merci. Luc Castro, cette affaire, finalement, qu'est-ce qu'elle dit de l'état de nos démocraties? C'est symptomatique d'un mal-être, d'un mauvais fonctionnement? Au niveau de peine internationale, nous avons eu une réunion Zoom la semaine passée, et l'état d'alerte actuellement
est identique à celui que l'on a connu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je m'explique. Le nombre de personnes listées emprisonnées s'élève à plus de 900, ce qui est équivalent à ce qui se passait au niveau de la Deuxième Guerre mondiale. Actuellement, je le disais tout à l'heure, nous suivons 109 écrivains, journalistes ou autres emprisonnés ou persécutés. Le nombre de personnes à suivre et qui s'ajoutent aux listes fait que la croissance fait que ces listes qui étaient auparavant remises à jour tous les 6 mois seront désormais remises à jour tous les 3 mois. Et tous les symptômes, effectivement, sont très proches de ce qu'on connaissait apparemment avant la Deuxième Guerre mondiale, à partir des années 1930. D'ailleurs, notre mouvement a commencé à développer la liberté d'expression dans les années 30, précisément par la création d'un PEN en Allemagne pour défendre les écrivains emprisonnés à l'époque. Donc tout ça est très grave, parce qu'effectivement, ce sont nos démocraties qui sont en jeu. Je ne parlerai pas de la Russie et de Navalny, qui est un pays où les élections sont soi-disant libres, et qui était d'un pays soi-disant démocratique. Et il y a un véritable jeu de dominos qui se crée pour l'instant. Alors, il nous reste 7 minutes. Ce que je propose, c'est de prendre quelques questions dans le public. Seulement, on n'a pas des micros sans fil. Les fils ont l'air assez longs. Alors, soit vous portez haut la voix, ou soit vous venez ici devant pour poser votre question. Monsieur en avait déjà une tout à l'heure. Ouais. Donc, monsieur dit que le poster résume tout. It's not a crime, c'est pire que ça. It's worse than that. It's a nuisance. Parce que si c'était un crime, le droit s'appliquerait. Et comme ce n'est pas un crime, mais que c'est une nuisance, le droit ne s'applique plus. Et la démocratie, c'est l'état de droit. Et par conséquent, les autorités de toute nature, gouvernement, société, tous ceux qui détiennent le pouvoir, eh bien, ils appliquent exactement ce que fait le gouvernement britannique, qui s'apprête, si jamais, par miracle, je dirais, la haute cour britannique accepte le recours de Julian à la Cour européenne des droits de l'homme, eh bien, le gouvernement britannique est prêt à faire passer une loi au Parlement britannique pour sortir le Royaume-Uni de sa dépendance à la Cour européenne des droits de l'homme, comme ils l'ont fait pour le Brexit. Ok, c'était pas une question, c'était une intervention. J'ai oublié de dire que son dernier recours sera justement dans la Cour européenne des droits de l'homme. Mais je viens de lire hier que Rishi Sunak d'Angleterre a suggéré que peut-être l'Angleterre se retire de ça. Et si je ne m'abuse, dans l'article que tu avais écrit récemment, il est même possible que si le recours est rejeté par la haute cour britannique, le temps que les avocats de Julian Assange introduisent la démarche à la Cour européenne des droits de l'homme, ils soient déjà extradés. Et l'Angleterre peut refuser les Américains aussi, c'est pas sûr. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Ok, mais moi j'en ai encore une petite alors, avant de terminer. Quel impact pourraient être les élections aux États-Unis sur l'affaire Julian Assange? Justement, tu as parlé de Biden qui voulait essayer de faire traîner ça parce qu'il ne voudrait pas que ça ternisse un peu sa campagne. Mais est-ce que la réélection de Biden ou éventuellement l'élection de Trump pourrait changer quelque chose à l'affaire?
avoir. Récemment, le fils de Donald Trump et aussi un ancien candidat, Ramaswamy, qui maintenant soutient Trump au lieu de continuer sa campagne. Il a dit que Trump a dit peut-être qu'il serait d'accord pour la libération de Julian. Mais il faut se souvenir que Trump ne l'a pas gracié quand il était président, et c'était sous son mandat que Mike Pompeo, l'ancien directeur de la CIA, a essayé d'assassiner, kidnapper Julian Assange. Et trois candidats qui n'ont aucune chance d'être élus en soutien à Julian. Donc c'est bien parce qu'il parle de lui, que des gens qui assistent à leur réunion entendent. Mais, et pour rien n'est clair. Anthony Bélanger, les élections pourraient changer quelque chose ? J'en suis pas sûr. Je ne vois pas que ce soit Trump ou Biden qui ont infligé, qui ont continué les procédures contre Assange, se déjuger eux-mêmes. Et je ne les vois surtout pas déjuger une cour de justice anglaise, pays duquel ils sont assez proches, voire même plutôt très proches. Donc, on peut toujours espérer. Moi, je ne suis jamais... Je me fonde que sur des faits, et je ne suis pas Madame Soleil, mais je suis assez pessimiste, moi, sur cette question-là. Je pense qu'ils espèrent que Julian meurt en prison. C'est plus clean. Donc, on ne peut pas blâmer les Anglais, les Américains. Les choses arrivent. Et il a même subi un mini AVC il y a 2 ans, et ça peut mener à d'autres problèmes de santé graves de ceux qui déjà souffrent. Très bien. Bah, écoutez, merci à tous les trois pour vos interventions. Donc, on rappelle, Luc Castro, que le PEN Belgique organisera un événement donc à Flagey le 11 avril de 16 à 21, 5 heures. Ouais, 16 à 21 sur Julian Assange. Karen Sharp va maintenant passer au stand d'Investigation, si je ne m'abuse, pour ceux qui le souhaitent, continuer à poursuivre la discussion, éventuellement signer des dédicaces pour le livre qu'elle a consacré à Julian Assange. Anthony Bélanger, je ne sais pas si au niveau de la FIJ, une actualité à signaler tant qu'on est là. Pas spécialement. Continuez à les suivre sur les sites et les réseaux sociaux pour le travail qu'ils font. Et merci à vous pour votre présence et votre attention.